Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce live du mardi soir, live Game Dev. Alors, je profite de faire juste deux trois petits réglages que je vois. Coucou Charivari. J'espère que tu vas bien. Moi, je suis très contente de faire un petit live et on va commencer tranquillement. Déjà par prendre une petite gorgée de thé. Donc, je vais faire concurrence à Oren. Je sais pas s'il fait du. S'il va aussi faire un peu de game dev ce soir. Ah bah voilà! Voilà quand je parle d'Oran. Donc pour rappel. Pour rappel, on a ce projet qui est un projet de où j'ai développé une sorte de petite librairie d'intelligence artificielle. Comme on dirait une toy librairie vraiment pour apprendre et faire des petites expériences avec. Donc, le principe, mais je l'avais montré donc au live de la semaine passée, c'est qu'on a des véhicules qui, petit à petit, vont apprendre Donc on voit là, on a déjà un qui roule pas trop mal finalement. À la deuxième génération. Et petit à petit, bah, ces véhicules, ceux qui font le plus de points, en fait, ça c'est les checkpoints, vont avoir le droit d'être reproduits dans les générations suivantes avec des mélanges des autres véhicules et des sortes de mutations aléatoires. Donc là, on voit qu'il y en a pas mal qui prennent exemple. Et qu'est-ce que vous faites sur le chat? Planning, planning. D'ailleurs, c'est quoi qui est écrit sur mon planning? Stream sur les difficiles aventures le vendredi soir vers 21h, stream dev le mardi vers 21h, stream No Man's Sky sur la chaîne d'Oran le dimanche soir vers 21h. Bah c'est juste. Oran, il fait des... Et là, on a toujours cette première IA. Après, les autres qui étaient un petit peu meilleurs vont aussi être générés. Et on va avoir de plus en plus. Alors, on a toujours ceux qui font n'importe quoi. Hein. Mais on a de plus en plus de véhicules. Oh là, il y en a un qui a bien accéléré. Et il y en a d'autres là qui font n'imp. Et ils sont trop lents ceux-là. Donc, ils passent pas le checkpoint. Par contre, lui, c'est toujours le même. Pour l'instant. Alors, en fait, l'idée de ce soir. Que je vous explique, c'est que là on a un parcours et moi j'aimerais bien travailler sur un système où on peut générer procéduralement. Donc on lance et ça génère aléatoirement un parcours. Donc pour vous expliquer un petit peu l'idée que j'ai là derrière, de savoir bah, comment faire. Ah non, ils sont toujours trop lents. Un jour, il y en aura un qui va accélérer. Alors, comment qu'est-ce qu'on va faire comment qu'on va faire pour générer comme ça un parcours aléatoire? Je me suis dit, on part sur une grille de taille donnée. Oula, lui, il a foncé. Par exemple, on part sur une grille de 10. Bah, par exemple 10 fois 7, imaginons. Et il y en a deux là qui sont un peu meilleurs. Alors, on part sur une grille de 10 fois 7. On choisit une case dans cette grille aléatoire, ça va être notre case de départ. Et à chaque tour, on choisit une case tout autour par rapport aux quatre directions possibles. Et on avance. Et ainsi de suite. Et
on garde un tableau du parcours qui a été fait. Imaginons qu'on est ici dans le coin et que ça revient en sens inverse. Donc on commence là et ça revient en sens inverse. Et là, c'est les murs. Donc on est coincé. Si on détecte qu'on est coincé, on annule cette case, on la bloque pour dire qu'elle est plus possible et on revient en arrière. Si celle-là, c'est toujours coincé, on annule, on revient en arrière, on la bloque. Et là, donc celle-ci, elle est bloquée. Celle-ci, c'est l'ancienne d'où on vient. Donc, et ici, c'est pas possible parce qu'il y a un mur. Donc, le seul choix possible, c'est ici. Et automatiquement, on va faire comme ça un parcours. Et dès qu'on est bloqué, on revient en arrière jusqu'à ce qu'on revienne sur la case du départ. Et à mon avis, c'est une technique que j'avais à peu près utilisée, on va dire sur une forme un petit peu de variante, mais pour une génération de labyrinthe que j'avais fait sur Minecraft. Peut-être que ça vous parle, peut-être que ça vous dit quelque chose. La vidéo est toujours disponible sur ma chaîne YouTube. C'est assez vieux d'ailleurs, elle continue à avoir pas mal de succès et des gens qui me posent la question, surtout qu'elle n'est pas du tout à jour par rapport à la dernière version de Minecraft. Mais c'est à peu près le même principe. Oh, mais là on commence à avoir toute une série de pilotes. On sent qu'ils sont un peu tous pareils. Oh, il y en a qui se sont trompés de direction. Bon, on va commencer tranquillement hein, pendant que je vous parle. Je trouve ça sympa de juste regarder un petit peu comment vont les véhicules hein, au tout début. Je profite, j'ai changé la playlist. Je suis passé sur un petit peu de synthwave comme musique. Voilà, Grégoire Lourd m'a fait son temps. J'avais envie de changer. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce changement musical. Moi, j'aime beaucoup et j'ai trouvé voilà, une chaîne YouTube qui répertorie plein de synthwave qui sont sans droit d'auteur sur... Oh, on en a là qui avance. Wow, lui, il frôle les murs. Mais il avance. Il avance un peu plus vite. Mais il aime. Voilà, il s'est pris un mur. Est-ce que la prudence sera mieux? C'est la mode pour le dev. C'est ça. Alors, l'IA qui est plus prudente va mieux. Et du coup, on a plus l'IA plus rapide, mais on voit qu'il y en a un qui fait des sortes de petites vaguelettes, là. Ça va être un enfant de celui qui était rapide, mélangé avec celui qui était plus stable. En tout cas, il fait des sortes de petits échauffements, là, en petites vaguelettes. Voilà. Et du coup, autre truc mais je pense que ça va encore prendre quelques temps avant que je le fasse. Hein. J'ai voulu faire quelques essais avant de lancer mon live, de voir si je pouvais faire des lives avec une webcam. Parce que voilà, j'ai plus mon petit personnage qui était animé grâce à la webcam. Mon nouvel avatar, je l'ai pas sous forme de calque, donc ça demanderait de refaire un travail de découpage du personnage. Je me suis dit aujourd'hui c'est quelque chose qui pourrait être cool d'être en webcam. Il faut encore que j'attende un tout petit peu. mais en tout cas je me réjouirais. Du coup, j'ai fait quelques essais.
Je voulais voir ce que ça donnait. Avec ma webcam, de quoi j'avais l'air en webcam. Du coup, il faudra juste que je trouve ou que je range en fait derrière, que j'aménage. Enfin, en tout cas, j'ai un petit truc à la un décor de youtubeur derrière. Si je me tourne, j'ai des bouquins, j'ai une PS1, une Game & Watch, des petits trucs. Plein de trucs sympas. Mais après, ouais, y a le bureau de ma copine juste à côté qui est en bazar total. Mais après, sur le bureau de ma copine, il y a toujours le chat qui dort. Et ça peut être sympa de voir en live. Ça peut être l'attraction. Et bonjour, Yvan de la Coke. Bienvenue. Bonjour, comment ça va? Bah oui, merci, Yvan. Ça va bien, et toi? J'ai rajouté cette petite commande bonjour. J'en rajouterai plein des petites commandes comme ça. Bon, on va fermer le programme. Malheureusement, ces IA qui ont évolué et qui sont devenus des êtres conscients, on ferme le programme et hop, elles disparaissent. Elles sont effacées de la mémoire. C'est comme ça qu'on fait s'il y a des IA qui prennent le pouvoir. On éteint, c'est réglé. Du coup... Du coup, on va ouvrir un nouveau projet et on va commencer tout de suite à travailler parce que pour l'instant, il se passe pas grand chose, j'ai envie de dire. Alors, nouveau projet... je vais l'appeler parcours génération. Dossier Godot. Ah! Mais oui, Oran, je suis bête. Il y a la 3.3 qui est sortie et j'ai pas pensé encore à la télécharger. Alors, attendez. Godot Engine. Je fais comme ça. Hop. Surtout que la 3.3 se concentre sur la stabilité. Et ne casse pas de features normalement. Alors, version 64 bits. Hop. Et donc ça, on va fermer. Hop, on le met là. Ouais, extraire ici. Et la 3.2. On la ferme. Et voilà. C'est comme ça qu'on installe une nouvelle version sur Godot. Ouais, IntelliJ. Alors, j'avais essayé un petit peu IntelliJ, mais moi j'utilise VS Code dans mon travail entièrement. Après,
IntelliJ. Ben oui, j'avais vu une fois, tu avais partagé un screen, Charivari, et. C'est eux, c'est ouais, JetBrain. Ils ont aussi fait, parce que moi j'utilisais pas mal en fait, plutôt PHP Storm, voilà. Parce que donc ça c'est le langage que j'utilise couramment dans mon quotidien. J'avais gagné à un meet-up, j'avais gagné une licence PHP Storm, donc c'était cool. Franchement, c'est bien ce qu'ils font, JetBrain. J'aime bien. Après, voilà, VS Code, j'ai pris la version open source 100%, la VS Codium. Avec mes petits plugins, tout ça, on a un environnement qui est top. À l'époque, j'étais aussi après sur Sublime Text. Voilà, alors. Du coup, j'ai pas créé le projet. C'était parcours génération Godot. Ah ouais, non, je l'avais créé, mais du coup il n'est pas là. Importe. Alors j'ai beaucoup de projets hein, dans Godot, dont des projets qui ont des noms assez assez spéciaux. Oui, c'est la musique de Stellaris. Tel que ce magnifique projet qui s'appelle Chaussettes Provençales. Ne me demandez pas pourquoi. Alors. Parcours génération. Importe et edit. Ouais, j'avais pas vu ton message. Et bonjour les ifs, les mathématiques derrière les IA. Chaussette provençale, ça fait tellement nom de code pour Pantoufle Aventure 2. Ouais, c'est trop bien. Le jour réinitialise. Et coucou, Pubilou. Hello, everybody. How are you? Alors, on va créer notre scène principale. Donc, main. Je sais jamais si j'ai envie de mettre des majuscules ou pas. Ça m'énerve. Je crois que moi, j'aime bien faire les fichiers tout en minuscules. Et ici, mettre des majuscules. Comme en fait les types de nœuds, voilà. Ouais, ici les nœuds commencent par des majuscules, donc on commence par des majuscules. Des fois les programmeurs ils se prennent la tête pour de la nomenclature et tu passes trois quarts d'heure à trouver un nom, t'es là. Mais j'aimerais bien l'appeler main cette variable, mais j'ai déjà utilisé main, alors qu'est-ce que je pourrais utiliser d'autre de hyper générique qui irait bien? Ou bien merde, je dois faire une boucle dans une boucle et j'ai déjà utilisé ma variable i. Bref. Alors, nous voulons une tilemap. Voilà. Donc, nous avons notre tilemap. Ou bien quand t'as déjà utilisé ta variable modèle. Moi j'ai tout le temps une variable modèle qui est utilisée. Et par exemple, sur les sites. Bon, ce qui est bien, c'est que. On fonctionne. Enfin, on construit pas mal par callback. Donc comment expliquer ça? C'est-à-dire que j'ai une fonction, par exemple, page. De point current
qui est en fait une fonction qui prend une fonction en variable. Et à l'intérieur, après, je vais pouvoir encapsuler le rendu HTML. Et donc, en fait, cette fonction, elle va lui passer après... elle va avoir comme paramètre une variable qui s'appelle $Modèle, qui est en fait mon objet de type page. Donc, je fais page .current, et puis après, ça me retourne mon truc. Et puis, à l'intérieur, en fait, je suis encapsulé. Et après, par exemple, je peux faire $Modèle, et puis je peux appeler children, puis je peux avoir tous les enfants. Et cette fonction retourne aussi un élément de $Modèle qui sera pas la même variable. Enfin, bref, je... Ah, la variable TMP. Quelle horreur, ça. Jamais. Après, moi, j'essaye de faire du code hyper explicite que qu'on puisse lire ça comme... Que ça soit hyper simple à lire. Bref. Nous allons commencer à programmer, ça serait bien. Donc ici, notre timemap, on va l'appeler track. Bonsoir Mimiche. Track, et on va commencer à générer notre parcours. Donc pour ça, il va nous falloir pour l'instant des carrés de couleurs pour savoir, visualiser notre parcours. Et je propose qu'on ait les carrés transparents qui sont les cases vides, des carrés, on va dire, de couleurs. Bah, on va ouvrir as sprite et on va faire deux couleurs. On aura les carrés, je pense. On va faire des carrés noirs pour symboliser les cases qui sont bloquées. Ça va être simple. Et les cases d'une autre couleur, bah, elles symboliseront. Alors, new file. On est quoi sur du 64 par 64? Ça va très bien. De toute façon, on va faire des carrés. Très simple. Donc ça sera les cases bloquées. Donc save as, je suis dans le bureau et ce PC data document Godot. Et ici, nous allons dans le projet parcours génération. Et donc ici, ça sera lock.png. Voilà. Et maintenant, bon Holy Business, Oran. Mais c'est vrai, Oran, t'as raison. Le business. Avant tout, quelle couleur on choisit pour le parcours? Allez, moi j'aime bien le vert. Il est joli ce vert. Ou bien. Allez, on va choisir une autre couleur. Ah là, ça c'est joli. Oui. Et j'avais jamais entendu cette musique dans Stellaris. Version alternative de la musique. Elle a des petites variations qui sont assez sympas. Allez, save as, je me déconcentre. Et celle-ci, on va l'appeler track. Voilà. Donc, notre tilemap a besoin d'un tile set. Donc en termes de ressources, ici nous avons besoin de plusieurs éléments. On va prendre notre élément lock, new single tile. Voilà, je sais plus maintenant comment. Ouais, c'est comme ça. Voilà. Check région,
Pour l'instant, il n'y a pas d'histoire de collision ou quoi que ce soit. Et ici, track, new single tile. Oups. Voilà. Donc maintenant, si je vais ici, j'ai mes deux éléments qu'on va pouvoir même renommer. Donc si on va ici dans notre... Et je me perds dans ma navigation. C'est moi où la vue a changé par rapport à... Avant... Ah non, voilà, c'est comme ça. Il faut juste le sélectionner. Donc, Select Tile ici, je vais juste la renommer en Lock. Voilà, et ici, celle-ci, je vais juste la renommer en Track. Voilà, comme ça ici, j'ai mes deux éléments. Donc, ici, on va créer notre script. Et on va créer deux const. Enfin, on va faire export int var height égale, on va mettre par défaut 10, export int var width égale 10. J'ai juste regardé par rapport à ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, on va faire comme ça. Par défaut, c'est 16 par 9. Ce qui est logique, en fait, du 16 neuvième. Voilà. Maintenant, on va créer ici une fonction generate. Qui ne retourne rien, et quand on commence, en fait, on va générer le parcours. Il nous faut une position de départ sur notre parcours, donc var start position égale, et là on va créer un vecteur qui sera entre 0 et 16, enfin 0 et la hauteur. Donc ça sera un vecteur 2, et ici ça sera un rand i. Comment ça fonctionne déjà? Ah oui, il faut mettre un modulo. Donc ça va être modulo par rapport à la height. C'est quoi cette musique? Il y a des gens qui crient dans cette musique. Donc là, on a... Oui, t'as raison. D'ailleurs, la fonction randomize, vous savez, par exemple, dans Minecraft, on fonctionne avec une seed. Et en fait, on peut ici, quand on fait le randomize, en fait, on peut... On peut soit faire comme ça, randomize, mais on pourrait aussi ici passer une seed. Et en fait, la génération, elle sera tout le temps pareille par rapport à la seed qu'on a passée ici. Par contre, la seed, elle est de type int. Donc en général, on peut passer en fait une fonction de hash, si j'ai bien lu. Voilà, vous pouvez par exemple passer une seed de manière textuelle. Et après, lui passer un H pour que ça la transforme en nombre. Et du coup, ça serait votre seed.
Et donc, si vous voulez un parcours qui sera vraiment, vous voulez partager votre génération de parcours par rapport au code que j'aurais construit, on pourrait faire une option où on peut entrer, voilà, une seed et voilà, c'est bien à savoir, comme tu dis, Mimiche. Mais non, moi, c'est pas generate que je veux, c'est randomize. Et randomize, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il va appeler en fait cette fonction seed, mais avec un nombre aléatoire à l'intérieur. Voilà, randomize de seed. Voilà. D'ailleurs, quand vous appuyez sur contrôle, hein, et que vous prenez comme ça une fonction, enfin pas ça. Si, voilà. Là, j'ai double-cliqué. Vous arrivez direct sur la documentation. Voilà, donc contrôle, clic. Voilà, c'est pas mal, ça évite d'aller sur le site internet, de devoir chercher tout ça. Sid. Le paresseux. Oui, le random est basé sur le temps. Ouais, c'est pas facile, hein, de générer de l'aléatoire. On croirait pas, mais c'est plus compliqué que ça en a l'air. Donc, on a notre position de départ qui est située entre 0 et 16. Maintenant, on va avoir chaque fois des étapes. Donc, on va faire des steps. Comment on va faire ça? Bon, je vais déjà faire comme ça le truc le plus simple, c'est en fait sur donc ici on va prendre notre parcours on bah, notre parcours en fait track égal de la track, voilà. Donc ça, notre tilemap, elle est là. Et là, en fait, point set. Donc set celle v. V pour dire que c'est un vecteur. Comme on a créé un vecteur, voilà, par rapport à notre start position. Et par exemple, là, je lui place simplement 1. Donc là, si je lance mon programme. Hop, autoriser. On a le carré qui, voilà, démarre à une position. Je vais juste enlever un peu, déplacer la barre de mon micro. Oh, fantastique, soyez le bienvenu. Et ça marche bien. Et salut, bienvenue Mario. Donc, maintenant, il faut qu'on avance dans une des directions. Donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est que on va avoir les quatre directions possibles. Et là, c'est facile. C'est-à-dire que ici, je vais faire une constante qui va être en fait qui va s'appeler directions. Et en fait, ça va être un tableau. Et il existe déjà des trucs préfets ici qui sont en fait vecteurs. On peut déjà avoir des vecteurs qui sont préfets. Donc on a left et puis vecteur de right. Voilà. Donc ça, c'est nos quatre directions dans lesquelles on peut aller. Et nous, on va
faire next position égale. Et là, en fait, c'est direction, et ici, rand i, modulo, direction.size. Donc là, on prend une direction aléatoire, et en fait, c'est plutôt start direction plus. Et maintenant, en fait, si je fais ça, je crois que c'est 1 et 2. C'est, celui-là marche plus maintenant. Mais je pense que c'est parce que ici c'est. Ah ouais, attendez. Ah, je sais parce que j'ai pas mis next position. Voilà. Vous voyez que il y a le suivant qui est sélectionné. Et maintenant, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite fonction qui va nous retourner les directions disponibles. Parce que c'est bien gentil, mais plus on va avancer, il y aura des directions forcément qui ne sont pas disponibles. Donc, get available direction. Qui va nous retourner en fait ici un array. Donc on veut en retour un tableau. Et en fait, on lui passe ici comme. On lui passe une variable position qui est de type vecteur. Donc on veut une position et lui, il va nous retourner par rapport à cette position toutes les directions dans lesquelles on peut aller. Donc pour ça. On va aller ici dans la classe array, juste voir les fonctions qu'on a à disposition, parce que peut-être que on peut, si on a une fonction filter, bsearch, non. Append, duplicate, slice, c'est pas ça qu'on veut, shuffle. Ouais, en fait, il manque quelques fonctions de base quand même hein, dans cette classe array. Mais c'est pas grave. On va créer en fait une variable qui s'appelle available directions, qui est un tableau. Voilà, de type tableau. Et c'est ça qu'on va retourner. Et ici, on va for direction in directions. Et ici. Ce qu'on va faire, c'est si donc track point get cell v et là on lui passe la position qui va être position plus direction et ici je me rappelle plus exact, mais je crois que une cell vide égale c'est moins 1. Donc si ça c'est égal empty cell available direction point push et là on lui envoie simplement en fait la direction.
Et maintenant, en fait, ici, je peux faire un io. Non, attendez, c'est comment? C'est un. Non, c'est un print tout simple. Je confonds de. Donc ici, je peux juste faire ça. Donc si je lance, là, il m'a retourné les quatre directions. Et si maintenant, par rapport à la position suivante, je fais la même chose, vous voyez que j'en ai une de moins qui vient parce que on ne peut pas revenir en arrière. Donc ici, je peux faire directions égale ça. Et c'est après, vous allez voir, on va faire des boucles. Donc maintenant, ici, c'est plus notre constante qu'on passe, c'est ça. Et ensuite, je peux simplement ici dupliquer. Alors ici, hop, je l'avais déjà seté. Voilà. Et ouais, ici c'était pas tout à fait ça, c'était. Je vais essayer de voir si le principe marche. Ça a l'air. Donc vous voyez qu'on commence à avoir une génération. Et on va aussi, à mon avis, on va créer la case qui va être la case de départ. Save as. Qu'on va appeler start. Ouais, c'est sympa ce vert aussi. T'aimes bien le vert, Charivari? Voilà, donc on a ici notre start et je vais créer dans notre tile set hop, open new single tile hop start. Donc on a lock, track et start. Comme ça, ça va nous permettre de savoir aussi. Quand c'est qu'on revient sur le start. Bah ici on peut même faire un enum. On va appeler cells égal. Et un enum. Alors là, j'ai un doute sur la syntaxe. Donc on va chercher. Ah ouais, c'est comme ça. Enum avec le... Ok. Donc on a empty égale moins 1. Nous avons
bloc qui vaut 1. Crack égale 2. Et logiquement, start égale... Non, en fait, nous avons... Mais je crois que là, ça va direct les mettre à la bonne valeur. Ça commence toujours par 0. Puis en fait, si on met comme ça la valeur, moins 1, ça va être pas mal. Donc ici, en fait, on va faire comme ça, c'est cells.empty. Franchement, les anums, c'est cool. J'aime bien ça. Donc là, il sait que ça, c'est moins 1. Ça sera forcément 0, 1 et 2. Dans l'ordre. Donc ici, maintenant on peut utiliser ça, ça veut dire que on peut faire ici cells.start pour la première. Et donc normalement, logiquement, ça devrait être une case verte. Voilà. Et les autres ici, ça va être cells.track. Voilà, à la place d'utiliser comme ça des zéros partout, on nomme les choses, qu'on comprenne ce que c'est. Ici, il faudra aussi vérifier que qu'on n'est pas en dehors des dimensions. Hein. Check map dimensions. Ça va arriver assez vite, on en aura besoin. Je réfléchis, hein. C'est pas... Enfin, il faut bien le faire, le truc. Je vais faire comme ça, step position vecteur 2. Donc ça, c'est un truc qui va rien retourner. Et c'est... on va l'appeler next. Next step. Et c'est là où, en fait... on va faire comme ça, hop. Par rapport à la position, next step, on récupère ceux qui sont disponibles, donc les directions. Et ici, en fait, on retourne quand même un vecteur 2. En fait, on va return la position suivante. Et ici, c'est pas start position, c'est... Voilà, donc tout ça,
Donc là, ça c'est juste ma position de départ. Et maintenant, par exemple, ici, on fait... on peut faire ça comme ça, je crois. Alors, on va faire comme ça, var position égale ça. Et ici, position égale next step, position. Donc maintenant, juste comme ça, voilà, on génère. On génère des parcours. D'ailleurs, pourquoi un i? I, c'est normalement c'est pour itérator. Itérator. Voilà. Ou itérable, je ne sais plus exactement, mais c'est. D'ailleurs, c'est mauvais hein, de faire ça. D'appeler ça i. C'est-à-dire que. J'aurais tendance à dire qu'il ne faut jamais utiliser des variables d'une lettre et que ici on pourrait plutôt l'appeler comme ça, index. Et puis là même on va l'appeler comme ça. Pourquoi ça devant? Simplement parce que c'est une variable qu'on n'utilise pas. Et je ne sais pas si on peut faire for 10, 100. Parce que regardez, en fait, si je fais ça comme ça et maintenant je lance le programme, si ah non, il me dit rien dans le débugger. Ok, il me dit rien. Pas grave. Maintenant, le truc, c'est que... On génère ce parcours. On va vérifier que ça n'arrive pas au bord de la map. Et après, il faut aussi voir s'il n'y a plus de, s'il n'y a pas de, de solution disponible qui risque d'arriver. Donc, ici, on l'ajoute si c'est une case vide. Si c'est une case vide, on la rajoute. Mais si c'est une case vide qui est en dehors de... Alors... Ah oui, nous avons en fait aussi quelque chose qui s'appelle un rect. Un objet rect qui en fait... un simple objet qui a une position et une taille. Voilà, qui est composé de plusieurs vecteurs.
Et du coup. Je sais que on peut savoir si. Voilà, as point. Donc on fait un rect et on lui passe un vecteur pour savoir si il contient ce point. Donc ça peut être intéressant. Donc ici, on peut faire plutôt un rect 2. Qui va être en fait ici size et qui va être en fait un rect de position. Ici, ça sera un vecteur 0, 0 et size, ça va être notre vecteur de 16 par 9. Voyez la différence. Et maintenant, en fait, ce qui est cool, c'est que si je vais ici sur mon main, si je dis pas de bêtises, à moins que. Ah, mais c'est parce que maintenant il veut plus. C'est. Ouais, je vais l'appeler différemment, je vais l'appeler track. Track size. Et ici, track size point. Ou track rect. Voilà. Ce sera mieux. Puis là, point size point x. Et là, track rate point size point y. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Donc, j'ai créé un rectangle de cette taille. Et là, maintenant, je lui passe par rapport à la taille du rectangle. Et voilà. Maintenant, ici, vous voyez que si j'élargis un petit peu, j'ai mon track rect et je peux lui passer directement les valeurs que j'ai envie. Je peux, voilà, dire. C'est un rectangle de ça. Alors la première variable en fait nous sert à rien. Parce qu'on peut avoir voilà, un rectangle qui est décalé par rapport au point 0,0. Et d'ailleurs, on peut même, je pense, avoir comme. Je vois si. Si on pourrait pas. Mais il n'y a pas l'air d'avoir de fonction pour ça. Ça aurait été intéressant d'avoir une fonction pour avoir un point aléatoire directement sur le rectangle. Parce que s'il y avait ça, en fait, ça nous enlèverait cette partie-là. On va dire que ça va très bien. Ok, donc où est-ce que j'en étais? J'étais au. Ah oui, il fallait savoir. Donc ici, end. Ouais. Track rect. Je me rappelle plus comment elle s'appelait la fonction. La as point. Donc, rect as point. Et du coup, je vais faire ici. New direction égale ça. Comme ça nous évite de réécrire.
Bien, test position. Voilà, test position. Test position. Et là, il aime pas quoi? Ah, j'ai oublié le end. Et ici. Sérieux, le. Ah, c'est les vecteurs, c'est des flottes. Ah, mais oui, mais alors, il me semble qu'on a. Si je cherche vecteur 2. C'est peut-être un nouveau type, mais vecteur de Godot int. Parce que je sais qu'il y a les vecteurs de i, mais alors apparemment ça va être ajouté sur Godot 4. C'est un vecteur 2 avec simplement x et y qui sont des int. Vecteur 2 i. Voilà, on l'a pas. Donc ce qu'il faut faire attention ici, c'est que. Nous, on veut des int et je crois que c'est simplement de convertir la valeur en float en int. Comme ça. Voilà, là c'est pas sorti du. Maintenant, vous allez voir si je mets. Voilà, là j'ai mis beaucoup. Le problème c'est que, voilà, division by 0. En fait, ici, direction size, on n'en a pas de disponible. Et c'est là où. On va commencer à voir le système où on va devoir revenir en arrière. Mais pour ça, il nous faut un tableau des différentes positions. Sur lesquels on est passé. Hop, je me sers un petit peu d'eau. Alors. J'aurais bien fait une variable en fait qui s'appelle track pour stocker ça. Du coup, j'ai déjà utilisé track ici. Donc là, je vais le renommer track map.
Et d'ailleurs, ouais, non, c'est l'entrée. Je vais écrire ici donc track égal, enfin, deux points égal, un tableau. Et donc ici, track pushback, et là on lui pousse la première position. Et ainsi de suite. Et là, je vais remettre juste 10 éléments. Et on va faire un petit print de notre parcours. Comme ça, vous allez voir. Donc là, on a toutes les positions à la suite. Donc là, on était à 10-4, 10-3, 11-3, 12-3, 12-4, 11-4, 11-5, ainsi de suite. Voilà. Et du coup, il va nous falloir une fonction qui s'appelle rollback. Donc pour l'instant, elle fait rien. Mais donc c'est ici, if. Directions.size égale 0. On va retourner rollback. Rollback par rapport à la position, donc position qui est aussi un vecteur. Après, comme on enregistre tout ça dans un tableau, on aura même plus, on n'a même pas besoin de passer, je pense, la position. C'est-à-dire que voilà. Position égale notre parcours. Pop back. Et pop back, en fait, ça supprime et ça retourne le dernier élément. Voilà, je prends le dernier élément en le supprimant du tableau, vu qu'on va l'enlever. Et cette position-là, ça va être cette celle V. Et là, la position, ça va être une position bloquée.
Donc si on n'a pas de possibilité, on roll back. Maintenant, il faut qu'on fasse quelque chose qui loupe. C'est-à-dire que maintenant, on a rollback, il faut qu'on reteste par rapport au rollback. Et donc, c'est là où en fait, pareil, next step, on va faire var position égale. Et là, on va prendre track. Du coup, on va enlever ça. Point. Pas find last. C'est juste, je pense, comme ça, track size. Voilà. Là, on l'enlève pas. On prend le dernier élément de la position. Et donc, en fait, ici, quand on roll back. Donc, next step ici, il ne prend pas de position. Donc, on récupère la position. On récupère si c'est possible. Si c'est pas possible, on roll back. Et donc, on fait roll back et on return. Sur lui-même, next step. Voilà, et le rollback, du coup, il retourne rien du tout. t'as raison, Mimiche. Et tu reconnais, bah, on y a passé suffisamment de temps pour être. Pour avoir la musique qui est restée dans la tête hein, de Shapers.io. À force de laisser ça tourner aussi. Donc là, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire des petits problèmes. Ouais, comme ça, get. Salut Force! Et Force qui a... un petit lingot de fer. Du coup, je voulais chercher Godot Array Last. Je vais voir si ah, mais je peux faire comme ça, regardez. Tac. Si on fait moins 1, on récupère le dernier élément. Donc maintenant, si je mets... mais ouais, 100 c'est peut-être beaucoup, mais on va essayer à 40 étapes. Là, vous voyez que ici il y en a qui sont devenus une autre couleur parce qu'il y a eu un retour en arrière. Parce que d'un coup, ils étaient bloqués. Après, ce qui va être intéressant dans cette génération de parcours, c'est qu'on va rajouter en fait le... Pour l'instant, je fais avec des carrés de couleurs, mais après, on va rajouter vraiment le tracé.
Maintenant, il faut qu'on continue ça jusqu'à ce que qu'on retourne en fait sur la cellule de départ. Zut, pas de level up en réaction. T'aurais aimé quoi? Qu'il y ait une fanfare qui débarque. Oui, Mich. La fanfare qui. Des chatons mignons qui débarquent, ça c'est. C'est pour les subs. Ah, en réaction. Ah oui. Là, je pourrais faire un petit level up. C'est une bonne idée, Mimi. Mais en fait, c'est. Hérisson, chagali, chaton ici, les diffs, un vrai zoo. Alors, voilà, je réfléchis, c'est-à-dire que le truc c'est que. Bon, ça peut très bien générer des parcours qui sont tout petits, hein, mais il faudra juste éviter que le premier. Parce que pour moi, quand on récupère les. Donc ça c'est fait. Quand on récupère les directions disponibles, c'est si. Si cette position. Mais ce qu'on peut faire, c'est. Je crois qu'il y a un. Il y a. Quand on est dans un. Dans un tableau, est-ce qu'on a la fonction contain? Ah ouais, non, c'est la fonction has. Tu vois, voilà. Has. Donc on va faire comme ça. C'est-à-dire qu'on va prendre ici celle qu'on veut. Donc c'est la celle enfin, empty. Et. Ici, on va faire comme ça, cells égale, et en fait, ça sera juste pour l'instant les empty. Mais si la map, la taille de la map est plus grande que, on va dire 3, ou bien, attendez, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7. On va dire. Ouais, il faut qu'il y ait une longueur minimale de 5. On va autoriser aussi à rajouter celle de départ. Voilà. Et donc, ici. If cells has cette position,
donc la position qu'on teste, et qu'on n'est pas en dehors du rectangle, on peut l'ajouter. Donc à partir de 5, on pourra du coup rajouter aussi la celle de départ. Voilà, c'est logique. Et du coup, on est en train de faire... On est en train de faire toutes les musiques de Shapeways.io. Pourtant, j'ai mis... J'ai mis aléatoire. Mais il a décidé que... Shapeways.io, c'était... C'était ce qu'il voulait jouer. Comme musique. Ok. Donc là, il peut revenir sur la case aléatoire. Et donc, en fait, ici... Ici, ça va être un while. Track map. Get salvé position. Égal sales.start. Alors là, normalement, ouais. Ah mince, attendez, là j'ai mis track map alors que c'est track. Reran, j'ai écrit beaucoup de code entre temps. Alors là, ça va marcher qu'une fois parce que notre while va sortir, va s'exécuter qu'une fois étant donné que la première position est direct la position start. Mais sinon, on a aussi le... Non, on n'a pas le until. Bon, while, mais ça veut dire end track.size plus grand que 1. Je pense que... Ou plus grand que... Merci pour le petit creeper. Bonjour, bonjour, comment ça va? Bonjour. Ou bonsoir. Next step. Je retourne bien la position suivante. Et Wizbot qui fait sa petite pub. Ouais. Ouais. Espionnage industriel. C'est ça. Ce que je veux faire là, mais le truc c'est que ça bloque dès le début. Vous voyez que le code s'arrête direct et qu'on n'a qu'une position. Ce que je veux faire c'est qu'il parte et puis que dès qu'il revient au point de départ, il s'arrête.
Bah. J'ai. Non, là par exemple, c'est juste, ça va s'exécuter. Mais là, ça va s'exécuter tant que. En fait, ça va s'exécuter tant que on est sur la case départ, donc ça va s'exécuter qu'une fois. Alors que si on n'est pas sur la case départ et que track est du coup plus petit que 2. Ouais, point size, j'oubliais. C'est moi qui me mélange complètement les pinceaux là ou bien? Si je fais un print de ça, ça donne quoi? False. C'est juste ça, c'est or. Les NM, c'est pas mal les NM. Hein. Donc là, moi, ce que j'ai fait, c'est que je les ai utilisés pour mes cases. Je sais que la case vide, c'est moins 1, donc empty égale moins 1. Et après, je les ai mis à la suite, dans l'ordre que je les avais créé. Donc je sais que lock, c'est 0, track, c'est 1 et start, c'est 2. Après, on peut aussi forcer comme ça les nombres. C'est peut-être plus sécure, mais là, je trouve que ça va très bien. Mais là, c'est quoi cette arnaque? Avant, j'avais été dans la doc des arrays. J'avais vu qu'on pouvait faire ça. Array, moins 1. Et qu'on pouvait récupérer. Et là, il plante. Il me dit invalide get index, moins 1. Ah, mais c'est qu'on a pourquoi on a un track de position 0? Il y a quelque chose qui joue pas quelque part. Bah, tu peux faire une state machine avec des random. Enfin, c'est juste une énumération de valeurs. Un enum. Et ça permet, en fait, ça permet par exemple, là j'ai fait par exemple sales, maintenant je pourrais faire export var, non, export par exemple ici quelque chose de type sales qui serait, voilà, current sales par exemple. Donc là j'ai une variable current sales et donc si je quitte. Ça, ici, ce qui est cool, c'est que maintenant je peux choisir ici celle que je veux. Ça me crée directement une liste énumérable et je peux passer, voilà. Donc,
Je pense que mon problème, c'est... C'est que cette condition va être vraie tout le temps. Si je fais, je vais juste essayer. Ouais, il l'a fait, je sais pas combien de fois. Mais ce qui est bien avec ça, et c'est là qu'on va faire du débugage, c'est-à-dire qu'on va placer ici un point d'arrêt. Et maintenant, on a des breakpoints, c'est-à-dire que je peux... Je peux passer d'un breakpoint à l'autre. Sauf que... C'est peut-être ça qui est fou. False. Print. Enfin, quoi que non, j'ai pas besoin de faire un print parce que quand j'ai breakpoint, ici on peut voir les. Donc mon parcours il fait vraiment un tableau de 2. Là il fait 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je regarde vraiment mon tableau grandir et je pense qu'il y a un moment. Bon, par contre, on n'a pas le. Le rendu, mais. Ah. Là, vous voyez, d'un coup, j'ai eu un recul, parce que je pense que le parcours était coincé. Ah, et c'est là d'un coup que on a le tableau au complet qui se vide.
Bah, c'est ça que je suis en train de réfléchir, parce que Charivari, s'il a plus de possibilités d'avancer, mais je suis pas du tout sûr que ça soit. Que ça soit ça serait quand même étrange. Parce que selon la logique que j'ai essayé de mettre en place. Bah, je lock la. Par contre, ça serait bien quand je mets des breakpoints d'avoir la map qui se rafraîchit. Juste voir les méthodes qu'on a à disposition dans une tile map. Donc, Getsen. Hola, cher. Comment ça va? Donc, ça te donne le track, c'est ça? De voir tout ça. Bon, en plus, c'est un code qui bug, alors. Mais il faut pas avoir peur du code, c'est joli le code. Gère. Ouais, il y a un côté très esthétique, hein, Charivari en plus, c'est vrai. Purée, elle est cool cette musique là. J'ai l'impression d'être. Je sais pas où, mais. Dans le cyberspace. Le seul code que je respecte, c'est le code quantum. Ok. Ouais, le bras Nintendo. Avec le petit robot Nintendo aussi, non? Mais ouais, j'ai changé un peu les musiques de mes lives et c'est un peu plus synthwave. Alors,
Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une position comme ça et on va faire ça comme ça. Mais ça bug. Ah non, ça bug pas. C'est juste que j'ai un breakpoint. Mais j'ai toujours le tableau qui se vide. On va faire une map plus petite. Donc par défaut, j'avais fait une map de 16 par 9. Mais si je prends ici, on va faire une map de 5 par 5. Ça fait 25 possibilités. Ah, t'en écoutes pas mal en ce moment, surtout de la Dark Synth. Dark Synth? Dark Synth? Ouais. J'avais écouté un tout petit peu, après, je suis pas. Là, j'ai pris des trucs assez. Encore assez tranquille. Je me suis dit, pour les lives, ça passerait mieux. Bah, vous savez quoi? On va faire comme ça. On va faire. On va schématiser. Quand ça marche pas. Tac. Donc, nous avons une grille. À peu près, hein. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, ça va très bien. Donc, point de départ. C'est ce que fait mon code. Il choisit un point de départ aléatoire sur la carte. Ensuite, il cherche. Il fait next step. Et donc, il récupère il récupère la position. Et il prend les directions disponibles. Et donc, si il n'y a pas de direction disponible, on rollback. Et après, ici, on refait next step. Donc, et next position égale une direction aléatoire et on lui place le parcours sur la position. Donc, c'est-à-dire que suivant la logique, il en choisit un aléatoire. Celle-ci, 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 celle-ci. Voilà. Et là, on arrive ici. Il n'y a plus de solution possible. Donc, il revient en arrière. Il n'y a pas de solution possible, il revient en arrière. Il y a une solution possible, il vient ici. Il vient là. Mais il n'y a pas de solution possible, il n'y a pas de solution possible. C'est comme ça que je le vois. Hein. Mais ensuite, qu'est-ce qui peut se passer avec l'aléatoire? Il va là, il va là, il va là, il va là, il va là. Hop. Et là, vous voyez, il n'est toujours pas passé par l'arrivée. On va ici. Tac. Là, il peut aller que là. Et là, il va revenir bien en arrière.
Il va revenir tout ça en arrière. Tac, 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 tac. Il revient ici en arrière parce qu'il ne peut pas. Il revient ici en arrière. Non, c'est faux. Normalement, oups. Ici, il peut aller à l'arrivée, donc ça serait. Ça serait comme ça. Et là, il repasserait par l'arrivée, puis le parcours ferait ça, tac, 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 et il repasserait par l'arrivée. Et donc là, on aurait un parcours qui aurait été généré. Logiquement, c'est ça que ça devrait faire. Et hop. Avec même. Je peux faire les choses bien. Le parcours. Enfin voilà, vous m'avez compris. Il ferait tac 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 tac. Mais c'est pas ça qui se passe dans notre code. Pourquoi? Bah du coup on va en fait sur le output on va à chaque tour ici jusqu'à ce que ça plante printer notre tableau comme ça on va le suivre donc on va printer notre track et donc là on a tous les outputs et on sait ce qui s'est passé. Ah non on n'a pas tous les outputs parce qu'il y a eu un output. Overflow. Attendez, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un parcours de 4x4, ça fait 16 cases, je pense que ça sera suffisant. Donc on a dit un parcours de 4x4. Voilà, à peu près. Donc il a choisi. La case 2, 3. Alors, attendez, je vais mettre ça à côté comme ça. Mince, il me faut un troisième écran. Voilà, il a commencé sur la case 2, 3. Donc 0, 1, 2. 0, 1, 2, 3. Ensuite, il a été sur la case 1, 3. Donc celle-là. Et pourquoi c'est là où ça plante, c'est qu'il est retourné sur la case 2, 3.
Sauf que... Sauf que quand on fait ça, on écrase le départ et du coup il n'y a plus de solution de fin. Et c'est là où il va faire tout un parcours et il va revenir en arrière ici. Enfin, là genre il va revenir en arrière comme ça, il va se dire ok je peux faire, je peux aller ici, mais du coup je peux pas. Et du coup il revient tout en arrière comme ça, tac tac tac, et pouf, ça plante. Et du coup, il y a, voilà, c'est ce que tu dis, Charivari, il n'y a plus de conditions d'arrêt. Et en fait, la réponse est juste là, très simple, sur la première ligne. Case de départ, case suivante, revenu sur la case de départ. Et écrasé. Alors que, logiquement, ça... C'était condition d'arrêt direct. Mais ça veut dire que le truc, c'est que quand il va sur la case suivante, le problème ici, c'est que il a 7. Donc ici, je pourrais mettre if. Si on récupère en fait la valeur et qu'elle est en fait. De la position suivante égale 16.empty, là ça a l'air de mieux marcher. Voilà, par exemple là il a fait un parcours, il a été ici. Donc je vais remettre le 16 par 9. Hein. Bon, après voilà, il faut juste éviter la condition. Mais par exemple là voilà, il a généré notre parcours qui du coup est plus intéressant. Alors ça a juste, vous avez vu, ça a pris du temps, ça c'est à cause des prints. Je vais enlever le print dans ma boucle. Voilà, il y a juste à éviter la condition de... Ça revient tout de suite au début. Après, voilà, ça peut faire des carrés comme ça. Ok. Donc maintenant la condition ici, c'est que on peut pas sortir de la boucle. Donc tant que c'est pas la case start, Ah ouais, mais c'est là où j'avais fait. Donc ici, si track size, j'avais dit, il faut au moins que ça soit 5. Et donc là, si je lance. Oula! En fait, le pire des cas, c'est si ça commence ici et on fait 1, 2, 3. Donc on a 4 éléments. Et
Donc à partir de 3, on est obligé de d'autoriser que ça puisse revenir au départ. Voilà, maintenant l'objectif, ça va être de... C'est un générateur de QR code. Alors essaye de le scanner. Ça donnera pas grand-chose. C'est vrai que comme ça, c'est pas si impressionnant, hein, mais. Vous allez voir que quand on va rajouter maintenant le parcours, c'est-à-dire, qu'est-ce que j'entends par rajouter le parcours? C'est. C'est ça. Et donc en fait dans les assets ici track donc j'utilise en fait un super site qui s'appelle Kenny et c'est ça. Et donc là on a les parties du parcours. Alors, pas tout à fait, Oran, l'auto-tile. Pourquoi? Il se passe quoi quand il y a cette tile ici qui touche cette tile ici? L'auto-tile, il marche bien pour... si tu génères voilà, un terrain ou un truc, mais dans ce cas précis... C'est not possible. Du coup, en fait, ce qu'on va faire et qui est relativement simple, c'est qu'on prend la tile, quand on génère la suivante, quand on set la suivante, on va sur celle d'avant calculer laquelle est la bonne par rapport à celle qu'on vient de générer et la précédente dans le tableau. Et si on détecte que la précédente est en haut et l'autre est à droite, alors on sait que c'est un virage. On sait laquelle c'est. Et on va faire ça ainsi de suite. Quand on revient en arrière, on les efface. Et on les set avec l'autre taille. Et voilà, c'est comme ça qu'on va gérer le cas de tout ça. Ah, j'y ai bien pensé. J'y ai bien réfléchi à tout ça avant de vous préparer ce petit live, hein, parce que je vous sors pas ça sans y avoir réfléchi avant. Hein. Donc, si je vais... Donc, je suis en train d'ouvrir hein, mes dossiers juste pour me retrouver là-dedans. Neuroévolution. Je crois que c'est ça. Voilà. Non, ça c'est le live. Vous n'avez pas besoin d'avoir le retour du live. Donc, ça c'est les cases Asphalt Road. Et c'est ça que je vais récupérer. Mais oui, que c'est un live préparé. Regardez, en plus, si je vais même sur mon GitHub, donc github.com, et que je vais sur mon projet Godot Neuroévolution, donc il est disponible sur GitHub. Il y avait un viewer là, mardi passé qui m'avait conseillé d'utiliser les issues. Pour noter en fait ce qu'il faudrait faire dans le projet. Et donc moi j'ai fait plusieurs choses ici. Donc une des issues, donc je peux zoomer même un petit peu pour que vous le voyez, c'est écrire le README du projet.
Donc documentation, amélioration, generate tricks, procédurier. Donc génération procédurale, import, export and agent. Donc là, ça veut dire possibilité de sauvegarder et de réimporter des voitures qu'on a entraînées. Agent leaderboard, donc classement des meilleurs agents. Et make each tile a checkpoint. Donc c'est-à-dire que maintenant qu'on a... Maintenant qu'on a en fait cette génération procédurale des parcours, je ne vais pas pouvoir placer les checkpoints de la même manière que je les avais placés manuellement avant. Donc ça c'est la première chose qu'on fait, et la semaine prochaine on va générer en fait des checkpoints pour chaque tile. Et en fait, dès que la voiture passe un checkpoint, elle va gagner automatiquement des points. Donc on va revoir aussi un peu la manière dont les voitures gagnent des points. Voilà. Vous voyez cette superbe préparation que j'ai fait. Il y a un scénario avec des climax. Et il y a même à la fin du live, comment... Un cliffhanger. Et là, paf. Un teaser, un teasing. Oui. Bref. Donc. Je vais copier dans mon projet... C'est marrant, elle s'appelle Nintendo 64, la musique. Alors voilà, j'ai copié ici toutes mes parties de route. Et donc nous, on va pouvoir générer le parcours en utilisant uniquement 3 tiles. Voire même d'abord 3 tiles, mais plus tard on en utilisera 6 parce que j'aimerais faire une tile spéciale pour le départ, et il faudra répéter ces 3 tiles. Mais même il nous suffit d'avoir 2 tiles, la tile droite et la tile du virage, parce qu'on peut faire des rotations de taille. Donc on va importer ici dans nos assets celles-ci. Et d'ailleurs, elles sont un peu plus grandes. Elles font 64 par 64. Donc on a... on va l'appeler road, et on va en rajouter un, c'est celui-là, new single tile. Et donc là ça va être road, mais on va l'appeler corner, road corner. Voilà. Maintenant si je vais ici, j'ai mes tiles road et road corner. On va juste modifier pour que ça fasse 128 par 128. Voilà. Et donc en fait ici, on peut faire des rotations de nos éléments. Et c'est ça qu'on va utiliser pour... Mais d'ailleurs, je sais pas comment on fait sur quand on fait un set tile
si on peut lui attribuer une rotation. Juste regarder. Par exemple ici, set tile, cell, V. On a la position, la tile, on a flip sur l'axe des X, flip sur l'axe des Y et transpose. Et cette selle, on a même ouais, flip, c'est une symétrie, mais ça, dans notre cas, on peut jouer avec les flips. Finalement, ça nous permettrait de faire toutes les directions. Isel, flipped. Et le transpose, c'est ouais, c'est pas ça. On va chercher, hein, parce que ça m'intrigue. Cette selle V, alors, Godot, cette selle V, rotation. Grid map orientation. Oui, cette selle item. Tile map. Parce qu'une grid map, en fait, c'est une tile map en 3D. Rotate tiles in a tile map. Ah, ah, c'est intéressant ça. C'est qu'il dit que une rotation, en fait, c'est un équivalent de combinaison entre des flips et des transposes. So, alors, si par exemple on fait 90 degrés, c'est transpose et flip x. 180, c'est flip x et flip y. Ouais, c'est logique. Et 270, c'est transpose et flip y. C'est bien à savoir. Bon. Mais après, je comprends pas le. Est-ce que vous comprenez le flip? Alors, il y a le flip. Non, il y a le flip, mais il y a le transpose. Je ne comprends pas le transpose. Je comprends, flip, c'est on inverse sur l'axe des X, on inverse sur l'axe des Y. Et transpose.
Bon, dans notre cas, ça pose pas de problème, hein. Après, peut-être que pour simplifier le code. Ce que je vais faire, c'est que j'ai quand même peut-être dans mon tileset placer toutes les routes. Donc celle-ci, ça serait road. Vertical, voilà. Après, on aurait celle-ci qui serait la road horizontale. Road corner. Il m'en faudra 4. Donc là, c'est. Ouais, on va les appeler comme ça. Donc là, c'est bottom. Bottom right. Après, on a cette version-là. Donc, bottom left. Celle-ci. Ah bah vous voyez ici on a même les textures de départ qui sont parfaites, c'est cool. Ouais, c'est celle-ci. Check. Top right. Et celle-ci. Top left. Voilà, finalement, comme ça, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ça sera beaucoup plus simple à gérer ce genre de choses. Donc, on va garder donc ici on va faire un enum qui s'appellera road et on va placer bon, on va l'appeler voilà vertical horizontal. Après on a top left top right bottom left et bottom right. Il faut juste trouver les bons IDs par rapport à ce que j'ai entré dans mon tileset. 0, 1, 2, donc. Vertical, c'est 0, 1, 2, 3.
J'ai oublié un T à bottom left. Ah oui. Horizontal, je crois que c'est le cinquième. Le bottom right, c'est le quatrième. Et le bottom left, c'est le sixième. Bon, du coup, je ne les ai pas fait dans l'ordre que je les entre ici. Donc j'ai 3, 4, 5, 6. Et maintenant, il faut juste voir, je crois que c'est 7 et 8. Et maintenant, ça va être ça va être sympa parce que ici c'est là où on set la selle, mais en fait on va faire une fonction draw prev cell. Voilà. Donc la cellule qu'on veut définir, ça sera la moins 2, la current c'est la moins 1 et la précédente c'est moins 3. Je pense que c'est juste. Donc on va déjà définir on va définir le current direction égale en fait on prend la selle moins current, donc on soustrait des vecteurs et donc là si par exemple la cellule courante étant par exemple 2, 2, voilà, donc la cellule qu'on veut et celle qu'on vient de poser étant, je vais reprendre mon petit schéma, si elle est là et que celle qu'on vient de poser est là, ça doit faire up. Donc ici c'est 2, 2. Enfin là c'est plutôt 1, 1. Et ici c'est 0, 1. Donc normalement on devrait...
Et bonsoir, Sarah. Et salut à Calice. Et merci pour le raid. Pourquoi l'alerte n'a pas marché? Merci à Calice. Voilà, merci à Calice pour la petite parade. Et dis-moi, mais c'est génial, merci beaucoup. Et ouais, je suis très contente de cette nouvelle petite alerte de sub. Qui est cool. Enfin, en tout cas, vous avez le droit à la parade. Et ça réveille tout le monde aussi en même temps. Mais en fait, voilà, je voulais calculer deux directions. C'était la direction par rapport à la current et à la précédente. Et tu peux pas garder la previous direction plutôt que la position moins 3. Comme ça, tu ne la calcules pas deux fois. Ouais, je suis pas sûr d'avoir suivi, mais je vais déjà. Je vais déjà faire le truc de base. C'est-à-dire que maintenant, c'est si. Current direction égale vecteur up et prev direction égale vecteur down, si on a ça, on va mettre notre cellule comme une cellule horizontale. Mince, j'étais où? Ici. Donc ici, ça sera road horizontal. En gros, tu crées une variable prev direction qui prend la current direction à la fin de ta fonction. Comme ça, à la prochaine fois que tu passes dans ta fonction, tu as déjà la prev direction et tu n'as pas besoin de la recalculer à partir de la position moins 3.
Ouais, c'est un peu comme un algorithme de pathfinding, un peu. Bon, avec toutes ces directions, je crois qu'on va pouvoir appeler les One Direction. Ce serait plus simple, hein. Merci, Mimiche. Bon, on va déjà essayer ça. Qu'est-ce que ça fait? Ça n'aime pas. Évidemment. Pourquoi? Parce que ici. Si on n'en a pas suffisamment, bien sûr. Par exemple, if frac.size est plus petit que 2. Ouais, plus petit que 2. Return. Il faut au moins que ça soit de taille 3, sinon ça va pas marcher. Ah, type 3, non. Ça génère des choses. C'est génial. Et je pense que ici, c'était plutôt une verticale que je devais mettre. Ok, on a un parcours trop petit. Ah! Mais il me troll là. Maintenant, si c'est down et up, c'est aussi une verticale. Voilà. Et si maintenant c'est down et la précédente c'est left, c'est road.bottom left. Normalement, c'est ça. C'est top left. On y arrive. Bon, après, ici, on va aussi générer les horizontales. Comme ça sera déjà les cas les plus simples. Donc, c'est si c'est left, right, right. Left. Bien sûr, là il n'y a que des coins. Et donc ici, si c'est top, ouais, c'est plutôt up. Up. Voilà. Je suis pas tout à fait sûr que. Ça soit tout à fait juste.
Et donc ici, si on a write, donc ça devrait être write et write. Non. Mais alors peut-être que c'est justement chaque fois l'inverse, top left, bottom left, et ici ça serait plutôt right, right. Alors, il y a celui-là qui me semble... En fait, ils sont quasiment tous inversés. Vertical, horizontal, c'est facile. Mais après, je devrais peut-être commencer par la précédente. Et puis faire comme ça, par exemple. If trèfle direction égale, on va commencer par up. Et on va énumérer les quatre possibilités. Donc à l'intérieur, on va faire d'autres if. Et que la direction courante ici est égale à down. Donc ça sera vertical if current direction égale right. En fait, je dois mettre plutôt un vecteur right. Voilà. Bon, après, le truc qui est chiant, c'est que c'est... C'est que le haut et le bas sont inversés, normalement, dans les tilemaps. On va déjà générer ça juste la première partie. Donc là, ici, je pense qu'on est plus dans le cas de bottom right et bottom left. Ou plutôt l'inverse. Voilà, là ça m'a l'air d'être généré juste. En tout cas, ces points-là sont justes. Et maintenant, vous allez comprendre. Du coup, je prends la direction précédente et j'inverse. Ici, je mets down. Donc, ici, par contre, c'est pas possible qu'il y ait up. Donc, down, up, c'est toujours vertical. Et ici, c'est top, top. C'est mieux de faire comme ça, je crois. Sauf qu'on en a de nouveau qui sont inversés. Je pense que j'ai tout inversé. Hein.
Mais je remettrai au propre, ne vous inquiétez pas. Je pense que j'ai dû faire une bêtise. Et maintenant, si on part du left, donc on n'aura pas le left, mais on aura down et up. Non, on n'aura pas le left. Là. Et je pense que chaque fois pour tester que c'est juste, je vais effacer les autres. Hein. Alors normalement là ici on avait down left, ça devait être. Ça, et puis ici c'est facile, c'est horizontal. Donc celui-là, ceux-là sont justes, mais celui-là est faux. J'ai dû inverser en fait. Donc celui-là, c'est horizontal. Il n'y a pas l'air d'avoir d'anomalie. Je vais essayer de réactiver tous les autres et d'effacer, attendez. Presque. Mais en fait, ça génère pas les deux premiers à cause de la condition que j'ai mis. Et du fait qu'il y a le départ en fait qui est pas. Mais c'est cool, hein? Après, il faut imaginer qu'il y a la case départ et. Oh là là, mais ça peut générer hein, des sacrés parcours quand même. Donc il faudra juste que je règle la partie du départ. Le truc c'est que la partie du départ, on peut. En tout cas, la case départ, on peut la définir que quand on a posé la dernière case. Après celle-là, on peut la définir. Celle-ci, en tout cas, on peut la définir dès le début, dès qu'on a posé celle-là, en fait.
Bonne nuit à Calis. Merci pour être passé et merci pour ton resub. Hein. Encore merci. Donc. Mais normalement, si je mets deux. J'ai un tableau de size 2, mais... Ah, mais... Après, ça, je pourrais le mettre ici. Ouais, voilà, là, c'est mieux. Voilà, et il y a juste la case de l'arrivée à définir correctement. Mais on va faire quelque chose là, parce que ça sera plus simple que de redémarrer à chaque fois. C'est fonction. Comment elle s'appelle? Qui? Ouais, input, voilà. Ah, ben, c'est pas init. Input event. Et là, if event comment c'est is un input event key. Je fais la syntaxe au bol là, je suis plus sûr que c'est ça. Hop, on generate. Et au fait, au début de generate, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire track map.clear. Voilà. Donc c'est à dire que maintenant je prends ici, j'appuie sur espace et ça régénère. Bonne nuit Oran. Merci. Bon par contre, ça régénère deux fois à chaque fois. C'est parce que il faut que end event point ouais voilà event point pressed. Ouais, is pressed. Voilà. Donc c'est-à-dire que quand je presse. Bon, il y a toujours ce cas là qu'il faudra que je corrige. Oui, voilà, il y avait le clic et le relâchement. Et ça génère rapidement, hein. C'est assez performant. Et je trouve assez cool parce que finalement, il y a quand même. J'avais peur qu'il n'y ait pas assez de lignes droites dans les parcours. Et il y a vraiment de. Bah, c'est de l'aléatoire, quoi. Il y a tous les types.
Oui, je pourrais, Mimi. Je mets une longueur minimale et s'il n'est pas généré dans cette longueur, hop, on relance une génération. Et une longueur max aussi. Hein. S'il n'arrive pas au bout avec la longueur max, il est kill. Parce que ouais, ça, il faut éviter le cas qu'on a là. Mais vous savez quoi? Quoique non, parce que je l'ai pas encore implémenté dans le projet de base. Mais on garde en tête, hein. Longueur minimale et maximum, ça sera pour la prochaine fois. Parce que c'est l'heure de clôturer ce live. Sur. Sur ces belles générations. En tout cas, c'était vachement cool. J'ai beaucoup aimé faire ce live ce soir. Ça m'a demandé de bien réfléchir et non, franchement, c'est top. Et puis j'ai plein d'idées pour la suite pour ce petit projet qu'on va avancer pendant ces prochains lives. Jusqu'à ce que je me dise, voilà, il sera, enfin en tout cas la démo sera terminée et du coup on pourra passer à un autre projet. J'ai déjà en tête le prochain projet, ça sera un peu moins game dev, ça sera plus développement web, mais ça sera tout aussi intéressant. Mais voilà, ça sera pour dans quand même bien plus longtemps. Et bah, sur ce, je vous souhaite une bonne nuit et je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un live sur les difficiles aventures. Allez, à bientôt!